J'ai démarré le triathlon il y a une dizaine d'années. À partir de l'âge de 32 ans, j'ai commencé à courir en VTT. La naissance du XTERRA m'a fait franchir le pas, en fait, dans le triathlon. J'aimais, mais je n'osais pas y aller. On peut dire que Raymond, c'est un représentant pour le triathlon vosgien, oui, bien sûr. Hein. Oui, c'est un bon exemple pour d'autres personnes qui ont envie de s'y mettre. Raymond, je dirais entre deux mots, sérénité et humilité. Serein dans sa démarche de s'entraîner et de participer aux compétitions, puis d'humilité par rapport à ses résultats et ce qu'il peut produire en course, je dirais entre guillemets, à son âge. Je pense que si j'avais pas connu le triathlon, je courrais plus en compétition. Le triathlon m'a vraiment relancé complètement malgré mon âge, hein, j'ai quand même 58 ans, mais je suis motivé comme un cadet, on peut le dire. Hein. Il vient à l'entraînement parce qu'il a envie d'apprendre, il a envie de progresser. Hein. Donc c'est ça qui est très motivant, très intéressant. Quand on s'occupe de quelqu'un, c'est d'avoir en face de soi quelqu'un qui répond aux sollicitations, et c'est son cas. Je suis assidu à l'entraînement, ça c'est clair et net. Il n'y a pas beaucoup de choses qui m'arrêtent pour aller m'entraîner. Je suis partout les temps, ça me dérange pas. Quoi. Je me fais plaisir déjà, c'est l'essentiel. Hein. Je ne vais pas à l'entraînement à contre-cœur. Quoi, hein. En plus, on découvre énormément de pays. Quoi. Je veux dire, le circuit Europe, etc., c'est tous des sites privilégiés comme Xonru. Moi, à chaque fois, ça m'éclate. Mis à part le triathlon, je dis que c'est un homme très près de la nature. Donc, qu'est-ce qui reflète mieux de la nature que les Vosges, quoi. Donc, voilà, c'est un bon représentant des Vosges. C'est un beau Vosgien, un bon sportif vosgien à 100%. Oui. Le XTERRA, je peux considérer que c'est le sport de ma vie. J'ai une grosse motivation et je suis toujours à fond dedans. Quand je vais être sous le point d'arrêter, ça me fera quelque chose. Quoi. Parce que c'est quand même une bonne part de ma vie. Quoi.